Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour découvrir le nouveau pass d'Halloween de cette année 2022, puisque comme le veut la tradition, nous allons le débloquer ensemble, le découvrir et donc analyser les différents bonus proposés. Et d'ici la fin de cette vidéo, je vous ferai mon top 3 des bonus que j'ai hâte de débloquer. Puisqu'on a du pain sur la planche, je pense qu'on va pas perdre de temps, on va ouvrir notre catalogue, on va se rendre dans l'onglet Wheeler Rawson Echo. On va se rendre compte qu'on a le pass d'Halloween. Alors, pass d'Halloween que j'ai débloqué involontairement. Donc, faites très attention si vous ne comptez pas le débloquer. Puisque j'ai simplement appuyé sur la touche triangle pour voir qui me l'a mis comme acquis. Je ne suis même pas sûr que j'ai été débité de la somme qu'on m'a demandé. C'était un peu bizarre. Donc, je vous inviterai à faire très attention. Puisque vous voyez que j'ai encore l'indication acheté avec 20 lingots. Donc, on sait que le pass va coûter 20 lingots. Par contre, je n'ai pas volontairement effectué l'achat, donc faites attention. Quoi qu'il en soit, on va déjà lire ce qu'on nous en dit. Le pass d'Halloween numéro 2, offre à durée limitée, procurez-le vous dès maintenant. Obtenez tout ce qu'il faut pour célébrer cette saison de l'étrange et du supernaturel, carrément, c'est même pas du surnaturel, grâce à cette offre à durée limitée. Ceux qui se procurent le pass d'Halloween numéro 2 recevront quantité de récompenses, dont des vêtements et des effets personnels thématiques, des variantes d'armes impressionnantes et bien plus. Profitez de notre unique assortiment d'objets rares et exotiques. Vous conserverez, bien sûr, toutes les récompenses liées au pass, mais le pass d'Halloween numéro 2 n'est disponible que pour une durée limitée. Une grosse nuance à faire entre le pass du hors-la-loi et le pass d'Halloween, qui va être que le pass du hors-la-loi est généralement remboursé. Lorsqu'on va investir une somme, par exemple, de 20 lingots dans le pass du hors-la-loi, à terme, nous aurons un certain nombre de bonus qui vont nous faire récupérer cette somme d'investissement de 20 lingots, ce qui n'est pas le cas avec le pass d'Halloween. Alors, je dis 20 lingots, hein, mais les prix varient d'un pass à l'autre. Pour le pass d'Halloween, généralement, c'est du pur investissement et on récupère, donc vous l'aurez compris, uniquement que les bonus qui vont être beaucoup de skins, etc. Donc, faites très attention. Logiquement, ce n'est pas une somme qu'on va récupérer. Par contre, on va quand même aller vérifier ce qu'il en est. Alors, titulaire du pass d'Halloween numéro 2, félicitations, vous possédez maintenant le pass d'Halloween numéro 2. En tant que possesseur du pass d'Halloween numéro 2, merci, on avait compris, vous déverrouillerez des récompenses supplémentaires en jouant. N'oubliez pas que le pass d'Halloween numéro 2 est actif jusqu'au 1er novembre 2022, donc ça nous laisse un laps de temps très très court. Je ne sais pas on a combien de rangs, mais c'est vrai que ça nous laisse un peu moins d'un mois. Soyez sûr que vous aurez la possibilité d'être connecté régulièrement afin de compléter ce pass et donc de le rendre rentable. Quoi qu'il en soit, toutes les récompenses déverrouillées pendant cette période seront conservées même après l'expiration de l'adhésion. Rendez-vous dans la section avantages du menu pause pour en savoir plus sur la disponibilité des récompenses et des offres. Assurez-vous de consulter les récompenses du club dans la section progression du menu pause pour voir quels objets vous attendent pendant la durée de validité du pass. Ce qui veut dire que nous allons aller de ce pas au niveau des options. Alors, j'ai pas l'impression que c'était comme ça que ça se passait habituellement, quoi qu'il en soit. On va se rendre juste ici, récompenses de club. Alors, les récompenses du pass d'Halloween numéro 2 et du club sont actives. Ok. Et... Aha. Alors... Alors, loin de moi l'idée de m'avancer, mais ça, c'est les bonus de l'année dernière. On est d'accord. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que déjà, ben, j'ai tout débloqué. Et non, mais je confirme, c'est les bonus de l'année dernière. La lanterne... Glabel, c'est les bonus de l'année dernière, donc je sais pas. Je sais pas, il y a dû avoir une erreur. Quoi qu'il en soit, je vais analyser ça, on va y revenir rapidement, mais pour le coup, ça me paraît un peu bizarre, donc je vais faire mon enquête. A few moments later. Ils sont sérieux. Alors, après m'être renseigné, je confirme que ce n'est pas moi qui ai fait une erreur. C'est bien le pass d'Halloween numéro 2. Alors, je me suis dit peut-être qu'ils ont fait une erreur, parce que le pass d'Halloween numéro 2, pour moi, c'était le pass de l'année dernière. Et effectivement, c'est le pass de l'année dernière. C'est pour ça qu'on n'a pas retiré la somme
pour acheter le pass et que j'ai déjà accès à tous les bonus. C'est bien l'arbre de progression du pass d'Halloween 2022. C'est simplement que c'est le même pass d'Halloween qu'en 2021. Donc, pour ceux d'entre vous qui étaient passés à côté ou qui vous êtes lancé dans le jeu après la sortie de ce pass, tant mieux, ça va vous permettre de récupérer les bonus de ce pass. Mais pour ceux comme nous qui avons déjà validé les deux passes, ben il n'y a rien à gratter. Alors possiblement avec mon personnage secondaire, c'est peut-être ce que je vais faire. Et encore, j'en suis pas sûr, mais... Ah, j'étais content, j'ai été notifié, j'ai dit « Ah, le pass, super, c'est bon à faire le truc !» Non, non, en fait, il était déjà acquis. Et je vous invite à vous rappeler le début de la vidéo où j'étais un peu en hésitation. Donc, on est face au pass d'Halloween numéro 2, donc du pass d'Halloween de l'année 2021. Par contre, question à la con, pourquoi dans ce cas-là, vous ne proposez pas les deux passes d'Halloween? Ça aurait été peut-être sympa, puisque vous prenez en compte les joueurs qui seraient passés à côté du pass d'Halloween numéro 2. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas prendre en compte ces mêmes joueurs, je pense que c'est les mêmes, hein, qui seraient aussi passés automatiquement à côté du pass d'Halloween numéro 1 et de leur permettre de bénéficier d'un pass de 30 rangs. Alors, j'ai plus exactement le nombre de rangs qu'il y avait sur le pass numéro 1, mais vous voyez ce que je veux dire? Histoire de leur faire profiter, de leur faire rattraper leur retard via ces petits bonus, je sais, c'est n'importe quoi. Alors pour le coup, pas grand chose, je vais même pas vous faire mon top, hein, en vérité. Vous avez un peu d'argent, vous avez les cisailles qui permettent d'avoir une arme blanche supplémentaire. Pour le coup, on a vraiment pas grand chose, j'ai envie de vous dire, les gants. Et la lanterne. La lanterne, c'est vraiment le truc qui fait la différence pour ceux d'entre vous qui aiment utiliser leur lanterne. Vous avez une petite lanterne avec un design pas dégueulasse. Donc, et ben pour le coup, c'est tout ce qu'il y aura à gratter. Et on se retrouve évidemment plus tard dans la journée pour voir le reste des bonus et des informations à retenir pour ce mois d'octobre 2022. C'est juste un peu triste, je suis dépité en fait, je suis dépité les gars. Donc désolé pour la fausse joie, mais je vous laisse la vidéo en intégralité pour que vous ayez aussi ma réaction par rapport à ce pass. Bref, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques, je le disais, d'ici là portez-vous super super bien, je l'espère. Je vous dis bien évidemment, à plus les bandits.